Du coup, on est là pour animer un stand à chimie et terroir. Avec l'IUT, on va proposer plusieurs petits ateliers. Donc on a dû mettre au point déjà les idées d'ateliers. Et puis ensuite, j'ai pu gérer nos équipes, nos groupes d'ateliers en fait, pour demander par exemple tout le matériel dont ils avaient besoin, les petites histoires qu'ils allaient raconter aux petits. Mon groupe, on va travailler sur le PH. Donc sur tout le PH qui nous entoure dans notre quotidien. Donc ça part de l'alimentation, le coca, le jus de citron, l'eau aussi. C'est marrant parce que nous on doit expliquer avec des mots simples alors qu'on baigne dedans. Donc ça nous fait travailler un petit peu sur nous aussi. On peut peut-être transmettre notre passion. Et du coup on échange avec un petit peu tout le monde pour apprendre et développer et partager autour de la chimie. Si nous, ça nous fait travailler notre expression. Enfin, chaque groupe qui passe, à chaque fois, on change un peu, on voit ce qui plaît moins. Et puis on améliore, on essaye de faire de mieux en mieux.